Je sais qu'il y a la vie dans le sang de Jésus. Il s'est donné à la croix pour moi. Je sais qu'il y a la vie dans le sang de Jésus. Il s'est donné à la croix pour moi. Je sais qu'il y a la vie dans le sang de Jésus. Il s'est donné à la croix pour moi. Je sais qu'il y a la vie dans le sang de Jésus. Il s'est donné à la croix pour moi. La vie, la vie, la vie dans le sang de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. Frères et sœurs, nous sommes réunis en ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous voici devant toi pour t'adorer et te glorifier. Frères et sœurs dans le Christ, en ce matin, la deuxième lecture nous parle du sang qui a été versé pour nous racheter. Je veux parler du sang de Jésus-Christ, l'agneau sans tache que le Seigneur lui-même a envoyé sur cette terre des hommes afin de nous réconcilier avec lui. Nous allons écouter la lecture tirée de la lettre aux Hébreux. Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par l'attente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre de mains humaines et n'appartient pas à cette création, il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire en répandant non pas le sang de bouc et de jeune taureau, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang de bouc et de taureau et de la cendre de génisse sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau, puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament. Ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel, jadis promis. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, la deuxième lecture nous montre l'importance, le prix que le Christ a payé pour nous racheter. Dans la première lecture également, on regarde vers la fin que Moïse et son peuple sacrifiaient des animaux. C'était la nouvelle alliance. Mais dans la seconde alliance, la dernière, la meilleure des alliances, c'est le sang de Jésus qui nous a réconciliés avec le Père. On est devenu héritier avec le Christ. Christ est notre frère. Aujourd'hui, nous allons chanter les merveilles que nous trouvons dans le sang de Jésus. Mon frère, ma sœur, toi qui regardes à gauche et à droite, je nous exhorte aujourd'hui à nous tourner vers le sang de Jésus. Car c'est dans ce sang que nous trouvons la libération. C'est dans ce sang que nous trouvons la guérison, la vie, la joie, la paix. C'est dans ce sang que nous trouvons grâce et bénédiction. Tout ce dont nous avons besoin, nous le trouvons dans le sang de l'agneau. Alors, quoi chercher ailleurs?
Restons chez nous, restons avec le Christ, lui qui s'est sacrifié, lui qui s'est donné en rançon pour nous racheter, lui qui a donné sa vie. Et il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors, l'amour même de Dieu s'est manifesté quand le Christ Jésus a versé son sang sur la croix pour nous racheter. Dans le sang de l'agneau. Je t'annonce ta libération dans le sang de Jésus. Et toi qui es malade, je t'annonce la guérison dans le sang de Jésus. Guérison dans le sang de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Tout ce dont tu as besoin, c'est une foi inébranlable. Car tous ceux pour qui le Seigneur a fait quelque chose, c'est parce qu'il a tous ceux-là, ils ont eu la foi. Alors je te demande ce matin d'avoir cette même foi, cette foi qui ne doute pas, cette foi qui déplace des montagnes. Et tu verras certainement se manifester ses grâces et bénédictions dans ta vie. Oh, la paix dans le sang de Jésus. La vie.
ce matin. Je te souhaite une journée agréable, une journée bénie, une journée inondée de grâce et bénédiction. Et je te plonge dans le sang précieux de Jésus. Je plonge ta famille, tes biens matériels, physiques, spirituels, dans le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te couvre, que le sang de Jésus te restaure, que le sang de Jésus t'apporte la paix de l'âme et la paix du corps. Nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.